Merci Seigneur Jésus. We say thank you Lord Jesus. Thank you, merci Seigneur Jésus. Thank you Lord Jesus. J'aimerais que chacun de nous se lève, se déplace, salue le voisin qui est à gauche, celui qui est à droite. Pour ce journée magnifique que Dieu a créé pour toi et pour moi. Alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Oh, il est Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. He's the King of Kings. Il est le Dieu Tout-Puissant. He's the Lord Almighty. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, le thème que nous allons partager avec vous est intitulé It's called The Power of the Resurrection. The Power of the Resurrection. En français, cela veut dire la puissance de la résurrection. In French, de la puissance de la résurrection. Il est merveilleux, le Dieu véritable, le Seigneur de Seigneurs. He is marvelous, the Lord of Lords. Nous venons de célébrer la Pâque la semaine passée. So we just celebrated Easter last Sunday. On a célébré la Pâque. We just celebrated Easter. Et nous avons parlé aussi de la Pâque. And we also talked about Easter. Nous avons relevé cette différence qu'il y avait entre la Pâque aux Juifs et la Pâque. So we gathered the difference that was between the Jew Passover and Easter. Et maintenant aujourd'hui, parce que nous sommes toujours dans la semaine. And today because we're still during the week. Nous allons parler de la puissance, cette puissance qui a permis à ce que Christ sorte du tombeau. So we're gonna talk about the power that led Jesus came out of the tomb. La puissance de la résurrection, bien-aimé. So the power of the resurrection, beloved. La résurrection est le fondement de notre foi chrétienne. So a resurrection is the base of our Christian faith. Et à cause de la fête de la Pâque. And because of that celebration of Easter, le chrétien il place de l'importance sur cette fête. So the Christian gives importance to that celebration. Parce que c'est la fête de la foi, la fête qui a amené à concrétiser tout ce que Jésus nous avait appris. Because it's the is the celebration of the faith and the celebration that shows everything that Jesus has taught us. La Pâque, c'est la fête de la foi. So the Easter is the celebration of the faith. Il a dit, he said, je détruirai ce corps et en trois jours, je reprendrai la vie. He said, I'm gonna destroy this body and in 3 days I'm gonna be alive again. Ceux qui ont entendu cela, so the ones who heard that, avaient la soif de voir cela se réaliser. So they wanted to see it realized. Ils étaient là en train d'observer la vie de Jésus. So they were observing the life of Jesus. Voir si ce n'était pas un menteur. To see if he was not a liar. Mais ceux qui étaient auprès de lui, ceux qui étaient tout autour de lui, but the ones who were just by him, avaient la foi. They had faith. Ils croyaient. They believed. Parce qu'ils avaient vu de choses que la puissance du Saint-Esprit opérait par Jésus. Because they have seen the power of the Holy Spirit was doing through him. À cause de tout ce qu'ils voyaient, ceux qui étaient près de lui avaient la foi en cela. So because of everything that they were seeing, the ones that were close to him, they believed in it. Nous devons savoir aussi que tout ne s'était pas arrêté à la croix. So we have to know that not everything stopped at the cross. La croix était un instrument de la mort. So the cross was an instrument of death. Afin de démontrer la puissance de la résurrection après qu'il soit mis dans le tombeau. To show the resurrection after he was put in the tomb. Bien-aimé dans le Seigneur, beloved in the Lord, j'aimerais partager avec toi la puissance de la résurrection. I would like to share with you the power of the resurrection. La résurrection, c'est tirer quelqu'un de la mort vers la vie.
So resurrection is to take somebody from death to life. Tu es là dans la salle, tu es là en train de nous suivre. So you are in this room. Je ne sais pas quelle est la mort qui est entrée dans ta vie. I don't know what kind of death entered into your life. Je ne sais pas si c'est la maladie. I don't know if it's a disease. Je ne sais pas si c'est l'aveuglement. I don't know if it's just being blind. Je ne sais pas si c'est la paralysie. I don't know if it's being paralyzed. Je ne sais pas si c'est le manque de mariage. I don't know if it's the lack of. Je ne sais non plus si c'est le manque d'enfants. I don't know if it's the lack of having. Mais je veux te dire tout simplement. I want to tell you just qu'il y a une puissance. That there's a. Il y a une puissance. There's a power. Qui nous permet. Nous chrétiens, de sortir de cet état de mort, to come out of that spirit of death, de sortir de cette position qui nous accable, to come out of that position that is coming against us. Et Jésus nous l'a prouvé. And Jesus proved to us. Il a prouvé cela. He proved to us. Vous savez, dans la croix. You know, at the cross, il était de même comme on est en Israël, comme dans le désert. So it was the same in the desert. Lorsque Dieu a frappé le peuple d'Israël. So when the Lord has touched the people of Israel. Le serpent était là en train de mordre le peuple d'Israël. So the serpent was there. Le serpent était sorti de partout. So the snakes. Et il se mettait à mordre. And started by ainsi la mort était entrée dans le peuple d'Israël dans le désert. In the people of Israel. Et lorsque Moïse est allé implorer la grâce de Dieu, and when Moses went to cry out to God, Dieu lui a dit élève un serpent de rein. And God has asked him to. Il devait élever un serpent de rein. To build a snake. Le rein c'est un métal. The iron is a metal. Qu'il devait nécessairement forger et faire un serpent, alors faire un serpent et le lever. So they had to use that metal to build the snake and to raise it up. Et la Bible nous dit. And the Bible tells que us tout celui qui regarde, tout celui qui était bien sûr mordu par le serpent. That everybody that was like bitten by the snake. Et qui regardait au serpent de rein. And I was looking at the serpent. Recevez la guérison. Received healing. La mort disparaissait. So the death was going away. La mort disparaissait. The death was going away. C'était l'ombre de ce qui devait arriver. So it was the shadow what. C'était l'ombre de la réalité qui devait être marquée par Jésus. And it was the shadow what Jesus was. Parce que Jésus était monté à la croix. Because Jesus died on the cross. Jésus était élevé. It was elevated. Enfin que tout celui qui la mort lui arrive. So that everybody who et qui regardera la croix de Jésus. Look at the cross. S'identifiera à Jésus. He's gonna identify recevra la guérison, recevra la vie. So gonna receive. Il recevra la vie. Life. Recevra la vie. Parce que la Bible dit qu'il est maudit celui qui était pendu à la croix. Jésus a pris ma malédiction, il a pris la maladie, il a pris la mort qui régnait en toi. Because the Bible says that the one that is hung on the cross, it's a cross, and Jesus took the disease and he took everything. Hallelujah. At the cross. Il a pris tout à la croix. So he took everything at the cross. Tout à la croix. Everything at the sans cross. Rien laisser. And he didn't leave anything. Sans rien t'abandonner. He didn't abandon. Non, il a tout pris sur lui. And he took everything upon. Enfin que la vie rentre en toi. So that the life goes back in you. Par la puissance de la résurrection. By the power of the resurrection. Nous recevons la vie. So we receive life. Et la puissance de la résurrection so the power of the resurrection est marquée par le Saint-Esprit.
It's marked by the Holy Spirit. Un ami merveilleux. Un ami merveilleux. A marvelous friend. Celui qui a ressuscité Christ d'entre le mort. So the one who has resurrected Christ. Voilà pourquoi à la fête de la Pâque. So that's why at the celebration of Easter. Les gens ont célébré la résurrection. So people have celebrated the resurrection. La puissance du Saint-Esprit. So the power of qui est la puissance de la résurrection. Is the power of a sorti Jésus du tombeau. So had Jesus come out of the tomb. Il est merveilleux. He is marvelous. L'apôtre Paul dit ceci dans le livre Romains 4, 25. So the apostle Saul said this in Romans 4. Il dit que Jésus, notre Seigneur, a été livré pour nos offenses. So that Jesus, our Lord, was given for pour nos offenses, nos péchés. For our sins. Et ressuscité pour notre justification. And resurrected for to justify us. Jésus a justifié, il a justifié ta position, il m'a justifié. So Jesus justified your position and justified me as well. Il m'a justifié. Justified me as well. Ainsi le Père ne me regarde plus comme pécheur. So the Father doesn't look at him à cause de l'œuvre de la croix. Because of what happened. À cause du sang qui a été versé. Because of the blood that was shed. Il a pris la mort à ma place. So he took the death at my place. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Oh beloved in the Lord. La puissance de la résurrection. The power of the resurrection. Te sort de la maladie. Take you out of the disease. Parce que la Bible nous dit. Because the Bible says. Il a pris nos souffrance. He took his, il a pris nos maladies sur sa chair. He took our disease. Oh, il a pris ça sur lui. Oh, he took upon him. C'est pour que toi, que tu sois guéri. So that you can be healed. Enfin, que toi qui es faible, que tu sors de la faiblesse. So that you are weak, you come out of. Il est dit dans le livre de Isaïe, par ne se maîtriser. So in the book of Isaiah. Par se maîtriser. By his wounds, oh que nous sommes guéris. That we are healed. Bien-aimés dans le Seigneur. Beloved in the Lord. La maladie est une forme de la mort. So, sickness is the type of. Lorsqu'il vient dans ta vie. When it comes to your life. C'est pour te prendre petit à petit. Is to take you. Enfin de t'amener dans le tombeau. So that he can take you into the. Mais laisse-moi te dire. But let me tell you. Il y a un homme. There's a man. Merveilleux. Marvelous. L'homme de douleur. The man. Habitué à la souffrance. Celui-là a pris ma place. Il a pris ta place. Oh, il est merveilleux. Oh, he's marvelous. J'aime bien ce nom, cet homme. J'aime bien cet homme. I love this man. Il est merveilleux. He's marvelous. Il est merveilleux. He's marvelous. Bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire. Let me tell you. J'ai une bonne nouvelle pour toi. I have a great. Une bonne nouvelle pour toi. I have a great. Une bonne nouvelle pour toi. I have a great. Pour ce dimanche. For this Sunday. Je ne sais pas ce qui t'accable. I don't know what. Je ne sais pas ce qui te tourmente. I don't know what is. Je ne sais pas pourquoi tu es triste. I don't know why you're sad. Je ne sais pas pourquoi tu manques la paix. I don't know why you're lacking peace. Oh, je ne sais pas. I don't know. Mais je vais te dire, il y a un homme qui avait manqué la paix. He lacked peace. Pour que toi tu aies la paix. So that you can have. Il y a un homme. There's a man. Qui par se maîtriser. Who by his. Il a reçu il a reçu le fouet dans son corps. So received the flagellation. Jusqu'à voir sa chair. So to see his skin. Se déchirer. His skin was torn apart. Enfin que toi tu ne puisses plus souffrir. So that you won't suffer anymore. Que tu ne puisses plus souffrir. That you won't suffer anymore. Il est merveilleux. He is marvelous. L'homme de douleur. The man of. L'homme de douleur. The man of dolor. Celui-là qui a pris ma place. The one who has taken my place. Hallelujah. Hallelujah. Isaïe 53 le dit. Isaiah 53 says that. Il le dit clairement. Says it clearly. Il a dit qui a cru. Who has believed. À notre prédication. To our preaching. Qui a le bras de l'Éternel.
who has the hand of the Lord? A-t-il a été révélé? Has been revealed. J'aime ma version. I like my version. C'est Louis Second. It's Louis Second. C'est la nouvelle version. Vous allez voir que ce n'est pas ça. Ça sort pas comme on a toujours l'habitude de lire. Ici, on a essayé de rendre ça aussi simple que tout. So that one has simplified. It's not like the old version. Il a grandi comme lui, comme une jeune plante. He grew up before him like a tender shoot. Comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. And like a root out of dry ground. Il avait ni beauté ni splendeur. He had no beauty or majesty. Propre à attirer nos regards. To attract us to him. Et à son aspect, n'avait rien qui pouvait plaire à quelqu'un. Nothing in his appearance. N'avait rien. Desire him. Oh, il n'avait rien. He didn't have anything. Méprisé et délaissé par les hommes. He was despised and rejected. Homme de douleur. A man of suffering. Habitué à la souffrance. And familiar with pain. Il était paré à celui face auquel on te tourne la tête. Like one from whom people hide their faces. Bien-aimé dans le Seigneur. Or beloved in the Lord. Il était comme cela. He was like that. Laisse-moi te dire. Let me tell you. Il y a certains hommes. Il y a certaines personnes dans ton entourage. Il y a certaines personnes qui détournent leur regard lorsqu'ils te voient. Il y a d'autres qui te méprisent. Il y a d'autres qui te considèrent comme rien. Il y a d'autres qui te dédaignent. Tu souffres dans ton cœur. Mais laisse-moi te dire. Par ça, ils introduisent la mort en toi. So by that they are voilà pourquoi ton âme est en train de souffrir. So that's why et tu as le dégoût de la vie à cause de tout ce qui se passe tout autour de toi. Mais laisse-moi t'annoncer la puissance de la résurrection. Oh, Jésus a pris ça pour que toi, tu aies la vie. So that you can have life. Que tu ne restes pas dans cette situation. So that you don't stay in that la situation. Puissance de la résurrection, so the power of the resurrection te prendra pour te sortir de là. So it's gonna take you to take you out of le amis qui se mordent de toi. So the friends that tous ceux qui sont en train de te dédaigner. So everybody tous ceux qui te regardent comme rien. So all the ones tous ceux that qui te regardent comme si tu étais comparable, comment je peux dire, à la merde. Everybody that's looking at you and oh, see that you. Oh, laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, let me tell you. Alléluia. Il y a une bonne nouvelle pour toi. So there's a good news. Parce qu'il était normal que elle fasse ça pour toi. Because it was normal. Enfin, que tu t'approches de Dieu. So that you can pour que lorsque la vie de la reine, la vie de la puissance de la résurrection viendra en toi, so that when the power of the resurrection comes in you, la puissance de la résurrection va te propulser. So the power of the resurrection is good. Il va t'amener plus haut. It's gonna push you higher. Et tous ceux qui te regardaient comme rien, and everybody that tous ceux qui t'ont ignoré, and everybody that tous ceux qui t'ont considéré you, comme rien, and everybody that was considered, ils te regarderont d'en haut et non d'en bas. So they're gonna look at you. La puissance de la résurrection a été libérée pour que tout ce qui nous accablait soit détruit. So that everything that was going against us, enfin que nous serions propulsés, so that we can be pushed forward, élevés, bien-aimés dans le Seigneur. Laisse-moi te dire une chose. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris ta place. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris ta situation. Laisse ceux qui te font ça continuer à le faire. Je veux te dire que lorsque le diable est en train de donner tout ce mal à Jésus, il pensait l'assujettir. Il pensait dominer sur lui. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur,
Pendant que le diable dort danser, il ne savait pas que c'était lui qui était mis à la croix. So he didn't know that il a réalisé après. La Bible me dit que Jésus, le Fils de l'homme, il a traîné le diable en spectacle. Il a traîné devant ses acolytes. Il les a drainés, il a drainé, il a drainé. Il a humilié. Alléluia, l'humiliation que tu es en train de vivre aujourd'hui. C'est pour ta gloire demain. C'est pour ta gloire demain. Dieu te prépare à de grandes choses. Mais comment est-ce que tu vas prendre en valeur cela? Voilà pourquoi tu dois passer par là. So that's why you have to go to David a dit une chose. David said one thing. Il a dit dans Psaume 23. So he said il dit même lorsque je traverse l'ombre, la vallée de la mort, l'ombre de la vallée de la mort. So even when I go to the valley of Baca. Hey, il y a deux choses qui me rassurent. So two things. Il y a son bâton et sa roulette. So the staff and the stick. C'est pour te dire quoi? So it's to let you know what. Qu'il est important pour toi de traverser ce que tu traverses. So que tu vives ce que tu es en train de vivre. Live what you're going through. C'est pour que tu rendes compte que Dieu est celui qui agit. Because you have il est celui qui te prendra dans cette situation-là. Et t'amener dans la gloire. Te positionner parmi le grand. And he's gonna put you il est le Dieu véritable, le Seigneur de Seigneurs. He's the marvelous God. Nous parlons de la puissance de la résurrection, bien-aimé. Le livre de 1 Corinthiens 15, au verset, le chapitre 15, le verset 14 nous dit ceci. So the Bible tells us this. Et si Christ, if Christ n'est pas ressuscité, is not resurrected. Notre prédication est donc vaine. Our preaching is null. Et votre foi and your faith est aussi vaine. Is null. Il était important que Christ puisse ressusciter. So it was important for Christ to resurrect. Pour que la prédication qu'il prêchait so that what ait un sens. Had a sense. Que le monde sache que c'était une vérité. And so the world will know that it was bien aimé dans le Seigneur, c'était une vérité. Yes. Enfin que la foi soit réelle. Il a prêché sur la foi, il a parlé de la foi. Il fallait qu'il passe mourir pour que cela soit une réalité. La résurrection de Christ, de Jésus, nous apporte la preuve réelle que nous avons bel et bien été pardonnés. That we have been forgiven. Et que tout ce que notre Seigneur nous avait dit et promis a été réalisé. Was realized. A été réalisé. Was realized. Réalisé, bien-aimé. Realized. J'aime bien ça. J'aime bien ça. I love that. Oh, c'est merveilleux. Oh, it's marvelous. Voilà pourquoi il est important pour un enfant de Dieu. So that's why it's important. Un chrétien. Traverse l'ombre de. On dit l'ombre de la mort. On ne dit pas qu'il traverse la mort. They say it goes through the shadow of death, not that it goes. Bien aimé dans le Seigneur, c'est l'ombre. So beloved is the shadow. L'ombre n'est que l'ombre. The shadow is just a shadow. L'ombre n'est que l'ombre. Shadow is just a shadow. Je ne sais pas ce que tu traverses. I don't know what you go. Laisse-moi te dire. Tu ne traverses que l'ombre de la mort. Parce que la mort ne peut pas te toucher. À cause de l'œuvre de la croix. À cause de la puissance de la résurrection. À cause de ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu as reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, il est normal que tu vives, que tu traverses l'ombre de la mort. Enfin, que tu réalises la puissance de la résurrection. Si tu ne traversais pas l'ombre de la mort, tu ne pourras pas réaliser en quoi est
grandiose la puissance de la résurrection. So you wouldn't realize how magnificent is the power of the resurrection. Le pardon est un pouvoir qui libère. So forgiveness, it's a power that frees. Et Jésus nous a pardonné. And Jesus forgave us. Ainsi, il nous a libéré de la loi de la puissance de la loi. So he has freed us from the power of the law. Il nous a affranchis. So he has freed us. Il nous a rendus libres. He has freed us. Libres. Freed us. Libres, bien-aimés dans le Seigneur. Libre dans le bien-aimé dans le Seigneur. He freed us, beloved, in the Lord. Le livre de Romains 8 au verset 11 nous dit ceci. Romans 8, verse 11 says this. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre le mort habite en vous, so if the spirit of the one who has resurrected Jesus lives in you, celui qui a ressuscité Christ d'entre le mort, so the one who has resurrected Christ among the rendra aussi la vie à vos corps mortels. So he's gonna also give life to your mortal par bodies. Sa puissance. By his power. Oh, par son esprit. By his spirit. Qui habite en vous. Who lives in you. Par son esprit qui habite en vous. By his spirit who lives in you. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Je ne sais pas si quelqu'un a compris cela. I don't know if somebody understood that. Bien-aimé, si tu n'as pas compris cela, if you didn't understand, j'aimerais que tu réalises ça encore. I would like for you to realize. Enfin que tu réalises que la puissance de la résurrection nous est accordée par l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui habite en nous. So is according to the spirit of le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui habite en nous. So is given by the spirit that lives in us. Si le Saint-Esprit n'habite pas en toi, if the Holy Spirit doesn't dwell in you, c'est un problème très sérieux. It's a true problem. Voilà pourquoi je veux t'inviter, toi qui me suis. So that's why I would like à commencer par faire une chose, to start doing something, qui est celui de reconnaître Christ, recevoir Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. To start receiving Christ in your life as Lord and Savior. Et lorsque tu recevras Christ comme son Seigneur et son Sauveur, and when you're gonna receive Christ as the Lord and Savior, il viendra habiter en toi. So he's gonna come dwell in you. Le Saint-Esprit viendra en toi. And the Holy Spirit will come in you. Mais il faudra encore désirer une autre chose. But you will have to desire, qui est celui, le baptême du Saint-Esprit. So which is the baptism of the Holy Spirit. Il faudra Spirit. Que le Saint-Esprit te baptise. The Holy Spirit has to baptize you. Qui te baptise. He has to baptize. Et lorsqu'il te baptisera, and when he's gonna lui baptize, baptise par le feu. And he's ainsi nous avons le signe du parler en langue. And that's when we have the sign of. Et à chaque fois que tu prieras en langue, bien-aimé, tu seras rempli de la puissance. So you're gonna be filled, tu seras toujours rempli de la puissance. You're gonna be filled with the power. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, the Holy Spirit, il vient pour te propulser, enfin d'enlever, de te donner la puissance de la résurrection, de tout ce que tu vis en toi. Come to push you, so to take off everything that you live in you. Le Saint-Esprit te donne la puissance. So the Holy Spirit gives you power.